Alors autour de l'ubérisation, aujourd'hui, il y a un certain nombre de débats qui apparaissent sur la fin du salariat, notamment avec la crainte de la disparition du salariat tel qu'il a été constitué, notamment avec des contrats à durée indéterminée et de la rémunération fixe. Depuis quelque temps, des statistiques parfois un peu folles se font jour en disant qu'il y a déjà un tiers d'indépendants, travailleurs indépendants aux États-Unis, ou en disant que ce chiffre pourrait être multiplié très largement en France. Quand on regarde la réalité statistique, on voit qu'il y a 16% de travailleurs indépendants aux États-Unis, ils sont 11% en France, ils sont plutôt en recul, puisque ce sont d'anciennes professions libérales, telles que des commerçants, des professions libérales, ou des experts comptables, des médecins qui avaient cette mission-là. Et on n'a pas encore vu, d'un point de vue statistique, toute la progression de cette économie des emplois de service, tels qu'on voit chez des gens comme Uber ou des gens qui ont des Deliveroo qui font de la livraison de repas à domicile. Donc statistiquement, il faut prendre la réalité des choses et c'est quelque chose qui est quand même reste assez réduit. Est-ce que la dynamique va être exponentielle et va croître beaucoup? Je pense qu'effectivement, il y aura une progression de ce type d'emploi dans les années à venir. Il n'est pas totalement lié au numérique. Il faut bien se rendre compte que l'auto-entrepreneur, par exemple, dans le rapport qui a été remis au ministre pour l'auto-entrepreneuriat, il n'y avait pas le mot numérique dedans. Le nombre d'entreprises en France a été doublé entre 2002 et 2007 sans même qu'il y ait de révolution numérique. Donc ce n'est pas que lié à l'idée numérique. Il y a une partie qui est volontaire. Une partie des gens souhaitent être sous le statut d'indépendant parce qu'ils sont capables de générer leurs propres revenus. Il y a une partie qui est subie. Et sur cette partie subie, il faut faire en sorte d'éviter les dérives. Mais je pense que le cadre réglementaire actuel le permet largement. Le problème politique en France aujourd'hui sur le numérique, mais sur un certain nombre de domaines, réside dans la constitution et la composition du corps électoral. Le corps électoral est de plus en plus âgé, et il est très âgé du fait de la participation beaucoup plus élevée des catégories de plus de 60 ans que des moins de 35 ans aujourd'hui. Donc ça crée des effets de déformation très très conséquents sur un certain nombre de sujets. Donc les politiques voient le numérique du point de vue de personnes qui sont généralement la retraite, donc qui ont une utilisation de consommateurs du numérique, mais très peu du volet producteur de ces services numériques, que soit que notamment sur les formes d'emploi dont je parlais précédemment. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dur à comprendre. Les politiques ont peu d'intérêt à investir ce sujet-là parce que les gens qui sont concernés ne votent pas, donc il n'y a pas d'offres et de demandes politiques derrière. Et donc c'est quelque chose qui est difficile. Ils commencent parfois un peu à l'évoquer, notamment parce qu'il y a des craintes qui se font, mais pas tant sur l'ubérisation que sur la fin du travail et donc l'automatisation et notamment le remplacement d'un certain nombre d'emplois. Donc c'est quelques craintes qui commencent à apparaître et c'est par ce bout-là, je pense, qu'on le tiendra. Ce qui est quelque part assez dommageable, puisque c'est une approche très pessimiste, très négative du sujet, et il y a très peu de politiques aujourd'hui qui ont la capacité d'aller chercher une approche positive du sujet, tout simplement parce qu'il n'y a pas de clientèle électorale qui répond derrière. Effectivement, on pourrait penser que cette ubérisation et ce mouvement technologique est couvert des habits du libéralisme, d'abord philosophique pour un principe de responsabilité, c'est-à-dire que quand on met la personne en situation de trouver ses propres employeurs, en situation d'être notée, puisque c'est aussi une des caractéristiques de l'ubérisation, c'est de subir une notation quasi permanente. Forcément, on remet l'individu au centre et on le laisse responsable face à l'ensemble de ses actions, et donc quelque part beaucoup plus, à la fois plus libre et aussi plus responsable avec les devoirs que ça implique et une plus grande autonomie. Donc cette révolution est effectivement marquée de ce saut-là. Il faut absolument vérifier, et donc elle est très positive par cette nature-là, parce qu'elle permet de libérer, elle permet de sortir du carcan quelque part du diplôme à la française, du parcours à la française, qui fait que si vous n'avez pas un diplôme, vous devez subir une carrière. Elle permet de créer des passerelles en fonction des souhaits des individus pour aller d'un secteur à un autre. Donc elle est très positive de cet aspect-là. Et en même temps, elle contient effectivement la limite à l'intérieur même de ces avantages, c'est qu'il ne faut pas pour autant abandonner. L'autonomie se construit, c'est-à-dire que personne n'est autonome par nature. L'autonomie de l'individu, qui est la base, la valeur forte et la valeur constituante du libéralisme, elle n'est que le produit d'une éducation antérieure, elle n'est le produit que de compétences qui ont été accumulées par le passé, et puis une capacité à aussi permettre aux gens de rebondir quand ils subissent un creux, parce que
Il y a des problèmes de maladie, des problèmes d'inactivité et autres. Donc il faut absolument, et ça c'est une conviction profonde, conserver un modèle assurantiel le plus large possible, notamment sur la maladie et la santé, qui viendra et qui permettra de laisser l'individu prendre le plus de risques possible dans sa vie professionnelle. Plus on est protégé sur la partie personnelle, notamment face à la maladie, plus on est capable de prendre des risques et donc d'avoir une vie qui est relativement autonome et qui donne des armes. Ça nécessite aussi de revoir le système éducatif pour qu'on ait des individus qui soient réellement autonomes, en capacité de formuler leurs propres choix, en capacité de communiquer avec la clientèle nationale, mais aussi une clientèle internationale. On est dans un pays qui vit beaucoup du tourisme. La maîtrise de l'anglais aujourd'hui est une des conditions nécessaires pour réussir cette économie de l'ubérisation.